prière pour les âmes du purgatoire. Bonjour et bienvenue les amis, c'est Christophe, c'est une joie de vous retrouver pour prier ensemble en ce jour pour les âmes du purgatoire, les âmes des défunts et spécialement celles de nos familles qui sont encore progressivement purifiées de leurs péchés par l'amour de Dieu et qui souffrent terriblement dans le purgatoire de ne pas pouvoir avoir encore la pleine vision de Dieu. L'Église nous dit que nous pouvons les aider par notre prière, alors c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Je me suis dit que la meilleure façon de contribuer à libérer ces âmes du purgatoire, c'était de les plonger avec nous dans l'amour de Dieu, et c'est pour ça que je vous propose une prière d'amour embrasée qui est issue de l'imitation de Jésus-Christ. Nous pouvons dire cette prière en unissant à notre amour les âmes que nous voulons confier. Avant de commencer, bienvenue à vous qui priez pour la première fois sur cette chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre des dizaines de milliers de priants avec Marie. J'invite chacun à dire dans le chat ou en commentaire de la vidéo votre prénom, d'où vous venez et à confier vos intentions de prière, évidemment les âmes de nos familles, toutes les âmes que nous souhaitons remettre à la miséricorde de Dieu pour demander leur libération et leur accueil dans le ciel. Vous pouvez aussi porter les intentions les uns des autres pour nourrir notre belle communion spirituelle. Dès maintenant, je vous invite, après cette prière pour les âmes du purgatoire, à notre chapelet du jour, le lien s'affichera sur l'écran final, et puis sur Esprit Nouveau, ma chaîne biblique, je vous propose ensuite une prière des 7 psaumes pour les défunts. Pour l'heure, nous nous plongeons dans l'amour miséricordieux de Dieu en saluant le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous disons notre acte de contrition pour commencer. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. De l'imitation de Jésus-Christ. Des merveilleux effets de l'amour divin. Je vous bénis, Père céleste, Père de Jésus-Christ, mon Seigneur, parce que vous avez daigné vous souvenir de moi, pauvre créature. Ô Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, je vous rends grâce de ce que, tout indigne que j'en suis, vous voulez bien cependant quelquefois me consoler. Je vous bénis à jamais et je vous glorifie avec votre Fils unique et l'Esprit consolateur dans les siècles des siècles. Ô Seigneur mon Dieu, saint objet de mon amour, quand vous descendrez dans mon cœur, toutes mes entrailles tressailliront de joie. Vous êtes la gloire et la joie de mon cœur. Vous êtes mon espérance et mon refuge au jour de la tribulation. Mais parce que mon amour est encore faible et ma vertu chancelante, j'ai besoin d'être fortifié et consolé par vous. Visitez-moi donc souvent et dirigez-moi par vos divines instructions. Délivrez-moi des passions mauvaises et retranchez de mon cœur toutes ces affections déréglées, afin que, guéri et purifié intérieurement, je devienne propre à vous aimer, fort pour souffrir, ferme pour persévérer. C'est quelque chose de grand que l'amour, et un bien au-dessus de tous les biens. Seul, il rend léger ce qui est pesant et fait qu'on peut supporter avec une âme égale toutes les vicissitudes de la vie. Il porte son fardeau sans en sentir le poids et rend doux ce qu'il y a de plus amer. L'amour de Jésus-Christ
est généreux. Il fait entreprendre de grandes choses et il excite toujours à ce qu'il y a de plus parfait. L'amour aspire à s'élever et ne se laisse arrêter par rien de terrestre. L'amour veut être libre et dégagé de toute affection du monde, afin que ses regards pénètrent jusqu'à Dieu sans obstacle, afin qu'il ne soit ni retardé par les biens, ni abattu par les maux du temps. Rien n'est plus doux que l'amour. Rien n'est plus fort, plus élevé, plus étendu, plus délicieux. Il n'est rien de plus parfait ni de meilleur au ciel et sur la terre, parce que l'amour est né de Dieu au-dessus de toutes les créatures. Celui qui aime court, vole, il est dans la joie, il est libre et rien ne l'arrête. Il donne tout pour posséder tout, et il possède tout en toutes choses, parce qu'au-dessus de toutes choses, il se repose dans le seul être souverain, de qui tout bien procède et découle. Il ne regarde pas aux dons, mais il s'élève au-dessus de tous les biens, jusqu'à celui qui donne. L'amour souvent ne connaît point de mesure, mais, comme l'eau qui bouillonne, il déborde de toutes parts. Rien ne lui pèse, rien ne lui coûte, il tente plus qu'il ne peut, jamais il ne prétexte l'impossibilité, parce qu'il se croit tout possible et tout permis. Et à cause de cela, il peut tout, et il accomplit beaucoup de choses qui fatiguent et qui épuisent vainement celui qui n'aime point. L'amour veille sans cesse. Dans le sommeil même, il ne dort point. Aucune fatigue ne le lasse, aucun lien ne l'apesantisse, aucune frayeur ne le trouble. Mais tel qu'une flamme vive et pénétrante, il s'élance vers le ciel et s'ouvre un sûr passage à travers tous les obstacles. Si quelqu'un aime, il entend ce que dit cette voix. L'ardeur même d'une âme embrasée s'élève jusqu'à Dieu comme un grand cri. « Mon Dieu, mon amour, vous êtes tout à moi et je suis tout à vous. » Dilatez-moi dans l'amour, afin que j'apprenne à goûter au fond de mon cœur combien il est doux d'aimer et de se fondre et de se perdre dans l'amour. Que l'amour me ravisse et m'élève au-dessus de moi-même par la vivacité de ses transports. Que je chante le cantique de l'amour. Que je vous suive, ô mon bien-aimé, jusque dans les hauteurs de votre gloire. Que toutes les forces de mon âme s'épuisent à vous louer et qu'elles défaillent de joie et d'amour. Que je vous aime plus que moi, que je ne m'aime moi-même que pour vous et que j'aime en vous tous ceux qui vous aiment véritablement, ainsi que leur donne la loi de l'amour que nous découvrons dans votre lumière. L'amour est prompt, sincère, pieux, doux, prudent, fort, patient, fidèle, constant, magnanime, et il ne se recherche jamais. Car dès qu'on commence à se rechercher soi-même, à l'instant, on cesse d'aimer. L'amour est circonspect, humble et droit, sans mollesse, sans légèreté. Il ne s'occupe point de choses vaines. Il est sobre, chaste, ferme, tranquille et toujours attentif à veiller sur les sens. L'amour est obéissant et soumis au supérieur. Il est vil et méprisable à ses yeux. Dévoué à Dieu sans réserve et toujours plein de reconnaissance, il ne cesse point de se confier en lui, d'espérer en lui, lors même qu'il semble en être délaissé,
parce qu'on ne vit point sans douleur dans l'amour, qui n'est pas prêt à tout souffrir et à s'abandonner entièrement à la volonté de son bien-aimé, ne sait pas ce que c'est que d'aimer. Il faut que celui qui aime embrasse avec joie tout ce qu'il y a de plus dur et de plus amer pour son bien-aimé, et qu'aucune traverse ne le détache de lui. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Merci, chers amis, pour cette prière pour les âmes du purgatoire, pour les plonger dans l'amour de Dieu. Si vous avez apprécié cette lecture et prière, je vous invite à liker la vidéo. Je vous propose ensuite le chapelet du jour. Cliquez sur le lien qui s'affiche sur votre écran. Il sera suivi, ce chapelet, de la lecture de la Bible sur ma chaîne Esprit Nouveau. Et vous avez toujours la possibilité de télécharger ma formation offerte sur la prière dans la description de la vidéo ou sur l'écran final qui s'affiche. Que Dieu vous comble de tout son amour et libère par cette prière les âmes du purgatoire que nous lui avons confiées et toutes les âmes par sa grande miséricorde. Amen. Ciao, ciao.